Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire de Dieu? Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire de Dieu? Tu ne peux pas t'arrêter comme ça, correctement. Viens. 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 Voilà. Tu vois qu'au fur et à mesure que tu marches, ton pied commence à se faire. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ça va? Ça va? Viens, viens, viens maintenant, vite! Dépêche-toi! Viens vite! Tu pouvais pas manger à ma faim. Tu pouvais pas manger à ta faim. J'étais diabétique. Oui. J'avais la tension élevée. Oui. J'avais un problème cardiaque. Cardiaque, oui. Et le pied? Oui. Oui. C'est devenu très clair. Et c'est moi, je ne bien. C'est là, ma vie, c'est la vie que je vais faire. Je vais faire la vie. Oui. Oui. Je savais que j'étais parce que je croyais en moi. Je suis croyant. Je suis musulman. Ok. Je suis musulman. Tu es du là? Je suis plutôt des vidéos. Ah. Si vous voulez passer là. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je crois fermement ta guérison. Amen. Ma fille, il faut croire que Jésus t'a délivré. Aucune personne sur la terre, ni crasseux, ne peut te protéger, te guérir. La seule personne qui peut te protéger, c'est Jésus. J'ai aucun pouvoir pour te protéger. Celui que je te donne ce soir, c'est la personne de Jésus. Amen. Et Jésus te sauve. Amen. 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 Vois la puissance de Jésus. Amen. Il écrasera tes ennemis. Amen. On dit amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes à la brigade anti-sorcier ce soir. Amen. C'est une brigade qui lutte contre la sorcellerie. Oh, la sorcellerie, c'est le mal cruel de l'Afrique. C'est notre mal. En tant qu'Africain, j'ai toujours dit les Blancs ont réglé ce problème. Amen. Les Blancs ont réglé le problème de la sorcellerie. Ils ont combattu la sorcellerie au Moyen-Âge. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre. Mais le 15e siècle, ils ont déclaré un combat farouche envers les œufs de la sorcellerie appelée la chasse aux sorcières. Ils ont appelé ce combat-là la chasse aux sorcières. Le 15e, 16e siècle, 17e siècle. Bon, ça a pris 300 ans pour détruire dans toute l'Europe. Donc, toute l'Europe, la sorcellerie. Ils prenaient les sorciers, on les brûlait au bûcher. Et ça portait un grand résultat au 18e siècle, fut le siècle de lumière et de la révolution industrielle. La révolution industrielle. C'est à partir du 18e siècle qu'ils ont commencé à connaître le développement. Or, la sorcellerie, la définition, c'est lanceur de sort. Celui qui lance le sort est un sorcier. On peut utiliser les pratiques mystiques. C'est pour ça que quand quelqu'un dit le mystique, c'est un sorcier. Parce que derrière le mysticisme, on dit un mystère, c'est caché. Or, l'évangile qu'on prêche, sa base de la vérité, c'est ouvert. C'est pas fermé. Donc quand quelqu'un dit qu'il est mystique, il est sorcier. C'est pour ça que les sorciers travaillent avec les féticheurs. Ils sont en collaboration directe avec les féticheurs. Si vous voulez délivrer, si vous partez chez les féticheurs, ils travaillent ensemble. C'est ce qu'il a dit aux gens. Le fétiche n'a rien apporté à l'Afrique. Sinon, sur le sol où il y avait les plus grands féticheurs, c'est l'Afrique. C'est l'évangile, c'est la parole de Dieu qui a délivré l'Afrique de cette prison du fétichisme. Amen. C'est ça qui dit, quiconque déclare que le fétiche était sorcier, qui peut me lever le doigt en l'air? Quel fétiche qui a apporté quoi à l'Afrique? Rien. Quel Africain qui n'a pas adoré, quel Africain, quelle famille où il n'y a pas de fétiche, qu'est-ce que ça a pu apporter à l'Afrique? Ça nous a tous appauvris. Ça nous a tous mis en prison. C'est ça qu'il faut renoncer à ces dieux étrangers et se tourner vers le véritable Dieu
et de marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Il nous faut Dieu. Or, quand quelqu'un est dans le fétichisme, ils vont te demander les rituels, les sacrifices. C'est ça que nous combattons les féticheurs. Parce qu'il peut même te demander ton enfant. Il peut même te demander la vie de ta femme. Parce que c'est le fétiche qui a demandé. Tu ne peux rien faire. Si tu ne donnes pas, c'est toi même le fétiche prend. C'est pour ça que si vous toujours suivez le fétichisme, quand quelqu'un dit qu'il est féticheur, il est agent de Satan. Quand quelqu'un dit qu'il est un féticheur, c'est un agent de Satan. Or, Satan est détruit. La Bible déclare dans Jean 10, le verset 10, le diable est venu pour voler, égorger et détruire. C'est la mission du diable. Or, Dieu, au travers des saintes écritures, nous tend la vie. Nous tend la vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, notre problème, c'est parce que nous avons abandonné notre Dieu et nous avons suivi les yeux étrangers. C'est le sort aujourd'hui, la malédiction sur nous. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous protéger, frère. Dieu seul peut te protéger. Il n'y a de protection qu'en Dieu. C'est lui seul qui protège. Parce que ton fétiche sera un jour périmé. Si tu as un fétiche, tu vas rencontrer un autre plus grand fétiche que ce fétiche que tu tiens. Amen. Alléluia. Quand Moïse est rentré dans la cour royale chez Pharaon et a commencé à parler, les gens demandaient qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu qui t'a envoyé. Amen. Il a jeté son bâton. C'est venu serpent. Les gens disent, ok. C'est qui fait l'annonce, c'est très aussi. Amen. Les magiciens, vous voyez, ils savent faire les guérisons. Ils savent faire la magie. Amen. Mais il a dit, le serpent de Moïse va avaler celui des serpents, des petits, des magiciens, de Pharaon. C'est pour dire le pouvoir de Dieu au-dessus du fétichisme. Amen. C'est pour ça que quand tu as Dieu, tu ne dois pas avoir peur d'un féticheur. Tu ne dois pas avoir peur d'un sorcier. On a peur des sorciers parce qu'on n'a pas Dieu dans notre vie. Or, quand on n'a pas Dieu, on est exposé. On a un grand danger. Les sorciers, vous voyez là, parce que vous mangez là, il y a le lanceur de sort, on l'appelle aussi mangeur d'âme. Or, quand un sorcier, il est sorcier, quelqu'un qui dit qu'il est sorcier, qui n'a jamais tué, il ment. C'est qu'il ne pratique pas la sorcellerie. Parce que pour l'initiation, c'est fait comment? Dès qu'on commence à te donner à manger, on t'envoie dans le monde qu'on appelle le monde spirituel de la sorcellerie, de la confrérie. On te donne d'abord du sang à boire, de la chair humaine à manger. Si tu prêtes, tu prêtes serment, alliance, tu prêtes un pacte devant le diable, le patron de la confrérie. Et puis on te dit désormais, donne-nous quelqu'un de chair. Donc tu es obligé, pour avoir droit à la parole dans la confrérie, tu es obligé de prendre quelqu'un, lui donner. Quand tu donnes, on dit ok, maintenant tu fais partie de notre dans la confrérie parce que tu es courageux. Amen. Donc ils savent bien que c'est une tentative. Si tu as donné aujourd'hui, ils vont tourner, ils vont revenir si toi tu as donné. C'est ça qu'ils ont la mémoire. S'ils ont tué une personne, tu peux savoir le nombre qu'ils ont tué. Là, ils se fichent. J'ai tué tant. D'autres me disent qu'à 300, ils savent. Amen. Le problème de la sorcellerie, c'est qu'il y a crime. Oh, rien ne vaut la vie. C'est ça leur problème aujourd'hui. C'est que les sorciers, ils tuent les gens. Et c'est un crime auquel les gens, nos gouvernants, ceux qui doivent nous diriger, ne prennent pas en compte. Or, c'est ce qu'il est dit à ceux qui veulent m'entendre, qui m'écoutent. J'aurais dit, quand Français dit crime spirituel, c'est que ça existe. Ah, donc, en quoi la sorcellerie existe? Mais ça veut dire un nom. Ce qui n'a pas, ce qui est un nom existe. C'est pas que ça existe qu'ils ont donné un nom à ça. Quand une maladie apparaît, on donne un nom à la maladie. Quelque chose qui n'existe pas n'a pas de nom. On vous dit maladie mystique. Et puis vous jouez ça. Vous ne prenez pas ça au sérieux. En réalité, c'est ce qu'il dit aux gens. Vous ne connaissez pas les problèmes des gens. Rentrez dans les familles, dans les maisons. Vous allez écouter les gens. Vous allez comprendre que les gens souffrent. Ils sont dans les costumes, dans les grosses villas. Mais ils souffrent en réalité. Ils sont prisonniers des méchants qu'on appelle sorciers. Parce qu'un sorcier dans une famille est un danger, frère. C'est un danger pour la famille. Ils ont cette capacité de connaître ton devenir, ce que tu dois devenir demain. Or, ce qui en eux détruisent les bonnes choses. C'est ça le problème de la sorcellerie. C'est ça que nous sommes révoltés contre la sorcellerie. Tu es un grand footballeur, il voit ton étoile briller, tu vas jouer au football. Quand il dit, je connais un jeune homme pour lequel j'ai prié. Il jouait dans une équipe de France.
Il est venu construire le village pour son papa. Il est allé en entraînement. Et qu'il est tombé. Et au milieu de son genou là, il y a un liquide. Comment on appelle ça? La synovie. Sorcier a suché son dieu Bissam. Ah, tu es venu construire une maison de ton papa. C'est pire là que tu donnes l'argent. On va dire, ah, ça a disparu. Oh, il s'est souvenu que c'est parce que il est venu construire la maison de son père. Il m'a eu sur l'escalade. J'ai laissé. J'ai dit, si, tant que Dieu ne m'a pas parlé, il pleurait. 3 semaines après, je l'ai pris. J'ai dit, regarde, prends l'huile. L'huile que tu as maintenant, là, on t'a donné, là, prends ça. Mets ça sur ton pied. Il a mis, on a fait 3 jours. Il allait 3 soirs. À minuit, je le prenais, il massait ses pieds. Minuit, il massait ses pieds. Le 4e jour, il s'est levé, il est pris, c'est guéri. J'ai dit, va faire ton examen. Il fait son examen, paf, il a repris. Amen. Ne jouez pas là. Le problème, c'est ça. Pourquoi on n'évolue pas? Nous avons des grands talents ici. Tu allais jouer dans un club de football, ton ami, le compte, on va t'attacher. Il est attaché. Mais dans un service, le monsieur, là, il est pas d'antenne. Personne n'en a ça. Les blancs, ce n'est plus dans leur réalité. Ils ont dépassé ça. Or, nous, on est à ferrage pour un corps. On veut savoir ce que le voisin fait. Pourquoi le voisin l'a habillé comme ça aujourd'hui? Non, le voisin, il s'en paye. Regarde, c'est pas un bruteur. C'est de mon sang. Quand tu vas pas salir quelqu'un, les blancs, quand ils ont réglé le problème de sorcellerie, là, ils causent pas les larmes comme ça. Tu vas jamais voir un blanc. Tu vas prendre un enfant de blanc pour donner manger. Il va te dire, hé, ça là, tu vas faire prison pour ça. Quand ils ont réglé le problème de sorcellerie, ils ont commencé à vivre seuls. Parce qu'ils ont commencé à comprendre que les fréquentations, là, ça envoie un mauvais esprit. Je suis allé au Maroc, ça fait plus de 7 fois que je visite le Maroc, j'ai plus à maîtriser la coutume. Le truc de Maroc. Les Marocains, c'est dans le salon d'été, ils reçoivent les gens. Que son bon camarade, il ne t'envoie pas chez lui. Il cherchait à savoir, il dit, ah, c'est comme ça. C'est dans le salon d'été, il est content, toi. Il veut manger couscous et l'éventrer, moi, le couscous. C'est dans le salon là-bas, là, qu'il ne va pas chez lui. Mais c'est un pays très développé même. Quand tu vois Casablanca, c'est plus que la Paris. Quand tu regardes Casablanca, ils ont tout, tout, tout. Amen. Mais non, c'est ça le problème. Même dans le corps, chez nous, même en fait les dieux, là, il y a les jaloux. On va voir Dieu a béni, grâce, ils vont te conduire. Au lieu de l'aider, ils vont commencer à le tacler, 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 tacler. Pour être dit, ah, il m'énerve. Je ne sais pas, mais lui, il m'énerve. De toute façon, il fait là. Il fait malin. Qu'est-ce que tu as dit, il fait malin? Parce que tu as changé de chaussure 3 fois. Lui, il voit qu'il fait malin. Mais le gars, il vit sa vie. On ne vit qu'une seule fois. Il vit sa vie. Il vit sa vie. Mais il y a des choses, il s'occupe de toi. Ton entrée, sortie, c'est ce qui les préoccupe. Le voisin, il a porté quoi aujourd'hui? Ah, demain. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Et ça dans nos sang. Tu es dans la même équipe de quelqu'un. Et dans nos sang, nos parents, c'est Dieu nous a appris. Allez faire marabouta sorcellerie. C'est ça que la Bible déclare qu'il a craint de l'éternel au commencement de la sagesse. Quand quelqu'un commence à craindre Dieu, il respecte l'être humain. L'être humain est sacré. C'est ce qui est dit aux sorciers. Pourquoi vous détruisez des hommes? Tu es intellectuel, ils ont investi en toi des millions pendant l'école. Tu as un diplôme d'autorité, on te ramène en brousse. Il va suivre, tu deviens bangui, tu vas vendre bangui au village. Avec tous les diplômes, 0. Le problème de la sorcellerie, c'est ce qui détourne ici. Depuis que nous sommes rentrés dans cette région, pourquoi? Les gens me posent la question. Je ne suis pas de Divo, hein. Je suis de Gagnoua. Je ne suis pas de Divo. J'ai le ministère ici. Parce que dans toute la Côte d'Ivoire, vous voyez là, là où il y a la puissante présence de la sorcellerie, c'est parmi le peuple d'Ida. L'Ouest, les Akans là, et puis ceux du Nord là, c'est fétichisme. C'est différent hein, des sorcelleries. Et ils font fétiche là-bas, les Korogos, c'est fétiche.
Or ici, là, cette sorcellerie, c'est-à-dire on sort du corps, après on va aux États-Unis 30 minutes. Madame, viens, yeah, là. À l'avion, elle fait 30 minutes d'ici New York. Madame, tu fais sorcellerie là. Tu as un avion là-bas. Hein? Quand tu quittes ici pour partir, tu vas où est l'avion? Prends une minute. Où est ça? Où? États-Unis. 30 minutes. Tu as un avion. Tu sais conduire ça? Moi j'ai conduit, j'ai piloté. Tu sais piloter ça? Tu sais conduire. Comment tu as fait? Tu conduis pour aller comme ça. Tu conduis. Or ici, on dit c'est pas comme c'est pas. Eux non. H. C'est pas H non. Hein? Eux oui, eux. Or elle a fini à bagueux. Toi tu joues bagueux non? Elle a déjà ça dans la bouche. Que j'ai pas, elle a pas déjà eux. Bouin peut la prendre, bouin. Elle peut travailler, bouin. Ben c'est d'ici aux États-Unis, 30 minutes. Et normalement, on va faire l'avion de ça là. Abidjan, Paris, ça fait 6 heures. Tu es dans l'avion, il y a 20 heures de temps. Comment tu es fâché? Tu donnes, sont de turbulence, tu as peur. C'est comme l'avion veut se jeter, tu attrapes ton cœur, tu pries, vous arrivez à Paris. Petit Kandamlaï, ça fait 4 heures du temps. J'ai la lucan. Mais elle, c'est 30 minutes. Qu'elle ferme les yeux, elle est partie. La vie avait. Elle est là. Qu'elle finit. J'ai fait un avion. J'ai acheté ça. Ouah, où est ta fabriqué? Madame, je te demande combien. Tu as fabriqué ou t'as donné? T'as acheté. Le pour toi-même. T'as acheté. T'as acheté. Mais tu as fabriqué ou t'as acheté? Tu fabriques l'avion. Elle a vendu les yeux de son frère. Et pour tes yeux de son frère, là, ton frère. Tu es là souvent, puis tu es là, tu vois plus clair. Et puis la médecine, mon frère, on ne peut rien avec tes yeux. Ça cherche bien vendu. C'est ce qu'on appelle maladie mystique. Il faut sur la grâce de Dieu. C'est ça notre problème. C'est ce qui met l'Afrique en retard. Amen. Depuis que nous avons commencé à combattre, c'est nous qui avons permis aux cadres. Quand les gens disent qu'on n'a rien fait dans la région, c'est qu'ils sont sorciers. C'est à cause de nous. Nous avons motivé les cadres de venir investir dans leur village. Tu n'as plus à avoir peur d'eux. Amen. Amen. Depuis que nous sommes à Zaroko, c'est un grand témoignage. Zaroko, il y a eu de l'eau. Amen. Ils ont de l'eau potable. C'est un témoignage. Ils sont allés faire forage à Zaroko. Ils ont mis fer. Ah, c'est l'ennemi, c'est fondu. Mm-hmm. Ils ont fait château de ça brûler. Mm-hmm. Ils sont dans Marigot. Tous les enfants ont parasite vert, chronique. C'est la vérité. Amen. On va y aller laver l'eau des Zaroko. Je sais ce qu'ils ont abandonné. Amen. Et pour les rester dans le combat. Et le monsieur qui avait la clé d'eau, on l'a pris. Qu'elle nous a donné la clé de l'eau, paf! La semaine, deux semaines après, un mois après, ils sont venus creuser un forage. Aujourd'hui, il y a un château d'eau. Je suis allé moi-même, d'abord, avant de faire le. Je suis allé. Et demain, je serai à Zaroko. Amen. Je serai à Zaroko demain. Parce qu'on a des dons à remettre à Zaroko. On a des dons à remettre au village de Zaroko. J'ai aussi des dons à remettre à la chefferie. Parce que nous sommes en train de préparer un Zaroko nouveau, sans sorcier. Or, si vous préparez un Zaroko sans sorcier, vous préparez aussi des cadres. Donc, c'est l'école. Comme c'est la rentrée scolaire, nous allons nous occuper des enfants, les encourager à aller à l'école. Amen. Maintenant, on va vous asseoir. Dieudonné. Il est là. Il y a un petit qu'on a appris à Zaroko. C'était l'un des plus grands piliers de la sorcellerie. Or, ce petit-là, il était tellement dans la sorcellerie. Nous l'avons délivré. Il est venu faire les vacances ici. C'est ça le combat que nous menons. Nous suivons les gens, nous ne les tuons pas. Nous les délivrons. Et c'est ça, nous les délivrons. Alléluia. Amen. Nous délivrons les gens de la sorcellerie. Amen. Moi, je m'en fous de ce que les gens disent. Depuis que je suis à Dibo, il y a route.
Vous avez le goudron. Je suis là pour le développement. Chacun a son don. Sorcier, vous voyez là, ils sont anti-développement. Oui. Là où il y a la présence de la sorcellerie, il n'y a pas de développement là-bas. Tous les cadres ont peur. Alléluia. Amen. Parce que eux, ils ne jouent pas les cadres. Hein. Toi qui pousses votre là, ils s'en fichent de toi. Ben, t'as acheté là, c'est comme, c'est dur. Puis c'est amer. Ah, madame Tru, ça va? T'es venu quand? Viens ici. Dosso. Qu'est-ce que tu as? Viens ici. Tu as grossi tout ça, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tu nous as fui, ton mari est venu. Ça va chez toi? Elle était envoûtée, terriblement envoûtée. Maintenant, ça va. Elle dit très bien. Elle a été miraculeusement guérie ici. C'est une musulmane. Ici, ce n'est pas vrai. Non, nous, ce n'est pas religion qui nous intéresse. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? C'est ça. Qu'est-ce que moi, mon Dieu, l'ai pu faire pour toi? Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. C'est ça le combat que nous menons ici. Dans la région, nous combattons et nous débarrassons à chaque fois. Chaque région, chaque une partie de la Côte d'Ivoire, de la prison des ténèbres. Amen. J'ai dit aux gens, les blancs, je vous comprends parce que ce n'est plus dans vos réalités. Mais nous, on a ce qu'on appelle la réalité africaine. Amen. On dit danse africaine. Il y a chez nos réalités. Dans nos réalités, deux garçons ne peuvent pas se embrasser chez vous, c'est normal. Et quand vous allez légaliser ça. Chez nous, tu vas venir voir deux garçons pédés. Où tu vas voir ça? Or, chez vous, trouvez ça normal que deux garçons doivent s'embrasser et vous êtes là où vous êtes content, vous êtes marié. Gâteau. Ah! Amen. Amen. Oh, eux, ils ne veulent pas tenir compte de nos réalités. Vous allez pour vous, nous, on allait pour nous. Pour nous, on ne fait pas ça. Si on fait ça chez vous là-bas, gardez vos lois. Or, quand vous étudiez les lois, quand ils ont détruit la période de la sorcellerie, c'est ce qu'on a envoyé en Afrique. On ne condamne pas la pratique de la sorcellerie en Afrique. Amen. Amen. On condamne dans la loi, c'est le trouble à l'ordre public. Et on dit, si le monsieur dit qu'il a tué, ok. Or, quand vous regardez, ceux qui tuent le plus, c'est les sorciers. Parce que pourquoi parler chaque jour, il mange. Il mange. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que nous soyons débarrassés de tout ça. Vous avez vu la dame, elle dit, pendant que son frère travaille, elle va se servir son salaire. Elle met devant son frère, elle prend, on dit qu'on appelle les babouilles là, elle prend 4 maïtiques, elle retire pour elle, elle empoche, maintenant le vieil vient prendre les déchets. Il compte, oui, elle prend la 4 maïtiques. Alléluia, que Dieu nous aide. Amen. Amen. Tant que l'Afrique n'est pas débarrassée de tout ça, tu vas pouvoir aller à l'école, tes enfants ils vont les ramener en arrière. Amen. C'est pour ça que quand les blancs ont combattu la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle la révolution industrielle. Les grands intellectuels ont commencé à faire les grandes inventions. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la carte mémoire. Ils ont la capacité de prendre ça. Ils peuvent prendre ça à l'aise. Ma tête, tu te lèves. C'est un vide dans ta tête. Tu ne sais même pas ce qui est au tableau. Tu ne sais même pas. Monsieur, c'est quoi? Tu maîtrises un truc. C'est zéro dans la tête. Tu as une belle femme, on peut venir te noircir. Quand tu vois en connerie. Le monsieur, il est chaud, mais la nuit, on fait peinture sur ta caca. Comme lui, il a dit la nuit. Monsieur. T'as chié ici, mais une femme, non? Hein? T'as chié ici. Oh, caca, en béton, la personne a gougnini. C'est dangereux. Tu aurais chié son caca. Ça y est, toi-même, là, tu sens quand tu sens. Les sorciers sont dangereux, hein? Et ils travaillent, hein? C'est nous qui. Et ils travaillent, ils s'amusent pas, ça. La sorcellerie, ils ne jouent pas, ça. Amen, que Dieu nous aide. Amen. Amen. Voilà, que Dieu nous aide. Il faudrait que nous débarrassions l'Afrique de tout ça. C'est le seul endroit où on ne tue pas sorcier. Vous allez voir ici les sorciers. Il y a des parents même qui ont laissé les enfants pour dire non, on ne veut plus les. On fait tout pour les prendre les enfants pour ne pas qu'on les tue. On fait tout pour les maintenir ici. Amen. Parce qu'eux-mêmes ont droit à la vie. Les sorciers, vous voyez là, souvent ils sont victimes. La nuit, on peut venir te donner la sorcellerie. Amen.
Je suis en train de prier pour cela. Jusqu'à ce qu'elle soit délivrée. La dame, la vient ici. Oui, parce que il faut que tu sois. Elle, la voici là. C'est pas ici, hein. Dans son village. Avant qu'elle ne tombe malade. Ils sont venus lui dire, sorcier, dit, ils vont t'attacher pour te tuer. La voici là. Et regardez son état. C'est ça, non? Comment s'est passée ton histoire? Ma soeur. Va t'asseoir, va t'asseoir. Pendant que tu as démarré là, pardon. Va t'asseoir. Un jour, ils étaient là, ils ont dit, mais ils vont la manger. Ils ont venu faire réunion de famille. Madame, viens. Qui a fait ça? Viens. Elle dit, bon, je ne vais plus te manger, hein. C'est fini. Oh, sorcier, vous voyez là. C'est Dieu seul qui l'inquiète. Qui a fait ça? Hein? Tu as fait quoi? Viens ici. Prends le micro. Hein? Parle fort. Tu as fait quoi? Pourquoi? Est-ce que je dois crédit? C'est pas un copain. Quand tu vas un crédit, on te poursuit pour rembourser. Elle doit crédit. Quel crédit tu dois? Comment tu t'appelles? Parle fort, hein? Nassi Rachel. Parle fort. Nassi Rachel. T'as quel âge? Tu connais pas ton âge? 71, c'est quel âge? Qu'as-tu rapide? Hein? Qu'as-tu rapide? 44 ans. T'as 44 ans. Hein? Oui. Il ne sent pas ça, hein? Ça va? Et tu es devenu des sorcières. Comment tu es devenu sorcière? Parle fort. C'est mon nom partenaire. Comment tu as mangé ta soeur? C'est pas ici, hein? C'est depuis le village. C'est sorti là-bas, elle est venue dire, bon, je ne vais plus te manger et te laisser. Okay. Oh, sorcier, où est-elle? Il ne change pas de parole. Il change vite de parole. C'est Dieu seul. Elle a accouché, elle vient d'apprendre. Manger son cœur à manger. Donc, spirituellement, par là, elle est morte. Nous sommes en train de prier pour que Dieu opère le miracle. Elle est morte, non? Prends le micro, tu n'es pas courageuse. Donc, ce travail que tu fais là, c'est courage. Elle est morte. Tu as mangé. Toi, tu as mangé quelle partie? Parle dans le micro. La tête. Hein? Hein, quelle sauce? Frère. Hein, quoi? Accompagné de quoi? Un foutu. Ouais, souvent la tête des singes dans l'air. La tête des singes. Et toi, tu es en train de manger, tu sais que c'est ta soeur, non? Quand tu manges, là. Oui, mais tu sais Gabriel, toi, mais tu sais que Gabriel, c'est ta soeur? Ou bien? Ah, puis tu manges, t'es doux. Maintenant, on fait comment? Moi. Va t'en manger. On n'a qu'à venir délivrer. Quand tu manges, moi je délivre. Ah, tu me demandes pardon. Quand tu manges, ce n'est pas doux. C'est doux. Tu ne pourrais pas dire non. Ok. Madame, viens, toi.
On va régler ça demain matin. Vous pourrez l'entendre. On va prier pour toi. Ici là, c'est pas comme tu veux, moi je prie. Si Dieu me dit de prier, je vais prier. Soit si tu as dit, tu as déjà mangé, elle est venue ici. Tu as reçu quand on a fait son grain. Elle a bien mangé, elle a roté. Oh, quand on a dit qu'on a mangé, il y a maintenant un sang. Au lieu de courir, venir ici. Elle est coulée, hein? Tu es coulée. Ouais, mais on ne peut pas comment elle a fait. Qui peut traduire? Comment tu t'appelles? Dosono Chami. Hein? Dosono Chami. Tu es Djoula? Tu es musulmane? On dit que Djoula n'est pas sorcier. Je t'ai demandé. On dit que Djoula n'est pas sorcier. Il fait ou il fait pas? Oh, Djoula, t'es sous ma queue. On va à queue ou même. Toi, t'es dedans, pourquoi? Elle ne fait plus. Non. Fais plus là, ok. C'est qui t'appelle? Tu es sorcière? Oui, je suis là. Ah, là. Elle est sorcière. Elle est sorcière. Comment elle a eu pour elle? Oui, tu as fait trop de temps. Je suis là. Le saut, pardon. Il est là. Non, il peut. Il est là. En Kouyaka là, ça va plus passer. Moi je veux. Mais madame, faut arrêter de rire. C'est pas ça le spectacle. Moi je ne veux pas faire les autres. Je rire. Hein. C'est parce que je parle, puis là, tu prends ça comme comédie. Ah. Quand tu commences à parler les salles, pourquoi commencer à triste? Là, c'est pas bon. Tu es sorcière. Ah, c'est vrai. Lui, il vient de la Danemark. Oui, il vient de la Danemark. On l'appelle même Krasso là-bas. Ce mec, il a couru. C'est un musulman. Il a couru dans notre vidéo. Ils ont détruit lui. Vous allez attendre ça de les aveux. Madame, on t'accuse où tu es sorcière. Pas dans le micro. Elle dit qu'elle est sorcière. Elle est sorcière. On ne l'accuse pas. Elle ne va pas changer ça demain. Parce qu'ici, on ne t'accuse pas. Hein. Tu es libre de dire je suis dedans ou je suis dedans. Ah, mais à chaque fois,